Alors aujourd'hui, je vais vous donner 13 choses que j'ai appris à mettre en place pour devenir riche rapidement. La 13e chose va vraiment vous surprendre parce que c'est hors de commun. Ce ne sont pas des choses que vous voyez régulièrement dans des vidéos ou alors dans les livres. Restez connectés pour découvrir la 13e chose. Vous serez vraiment surpris. Bonjour les amis, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous en exclusivité 13 choses qui me donnent la possibilité d'avoir cette aisance financière que j'ai aujourd'hui, d'avoir tout ce que j'ai pu mettre sur pied aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans les 13 choses, je vais prendre la peine d'abord de me présenter parce qu'il y a certains parmi vous, vous allez dire, bon, c'est juste les vidéos YouTube qui te donnent un peu d'argent et tout ça. Non, pas du tout. Je suis Marthe Karine, entrepreneur e-commerce, comme je vous ai dit. Je suis à la tête de 3 entreprises dûment enregistrées dans 3 pays différents aujourd'hui. Je suis à la tête d'une équipe de plus de 30 personnes répandues dans plusieurs pays dans le monde que je paye chaque mois. Et ce n'est pas des salaires de cacahuètes, ce sont quand même des salaires au-delà du SMIC. Je suis également la promotrice de plusieurs plateformes en ligne. Certains, vous connaissez les noms, certains, vous ne connaissez pas les noms parce que j'ai choisi de les garder tout simplement secrets, de ne pas divulguer que c'est moi qui suis derrière. Il faut savoir qu'avant d'arriver à ce niveau-là, je viens d'une famille monoparentale, une famille de 5 enfants, une famille où nous avons grandi avec les moyens de bord, pour ne pas dire la pauvreté. À un moment donné de ma vie, je me suis retrouvée dans un pays étranger, particulièrement en Angleterre, où je vivais avec 10 livres par semaine, avec un enfant à bas âge à charge. C'était très difficile parce que des fois, je n'arrivais même pas à me mettre 3 repas sur la table. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que je quitte de cette situation très difficile, une enfance difficile, un moment difficile dans la vie d'adulte, pour arriver à ce niveau de chef d'entreprise où je fais tout ce que je fais? Et il faut savoir, comme je vous ai dit, ce n'est pas juste des vidéos YouTube. Vidéo YouTube, c'est juste parce que voilà, je veux partager mes connaissances avec vous, je veux échanger avec vous, je veux inspirer la jeunesse, je veux permettre à certaines femmes, à certaines épouses d'avoir un bon modèle sur qui s'appuyer, à qui regarder. Je veux permettre aux jeunes filles, par exemple, d'être bien entourées, de pouvoir être inspiré tout simplement, vous voyez. Donc, et bon, au-delà de ça, bien entendu, YouTube représente une source de revenus et vous savez que l'une de mes devises, c'est quoi? Je ne suis pas allergique à l'argent. Donc, si je trouve un moyen qui peut me permettre d'avoir plus d'argent, why not? Donc, quelles sont ces 13 choses que j'ai appris, que j'ai mis en application pour arriver au niveau où je suis arrivée aujourd'hui? Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est les talents. J'ai appris que j'avais des talents, j'ai découvert mes talents et j'ai mis un prix sur mes talents. Beaucoup de gens ont des talents, mais ne comprennent pas comment utiliser ces talents-là. Quels sont les talents que j'ai su exploiter, par exemple? Je sais transmettre des connaissances à d'autres personnes. Je sais motiver d'autres personnes. Je sais vendre quelque chose. Les gens me disent souvent que Mathieu est une très bonne vendeuse. Même si on n'a pas envie d'acheter, quand toi tu commences à parler, on sera obligé d'acheter. Tu peux même vendre dans un désert. Tu peux vendre à un aveugle. Mathieu sait vendre. Donc, j'ai appris à utiliser mon talent de vendeuse, mon talent de marketeur, mon talent de proposer des produits aux gens pour pouvoir me faire de l'argent. Et ça marche très bien dans ma vie. La deuxième des choses que j'ai appris à mettre en application, c'est quoi? C'est que j'ai appris à faire ce que j'aime, à me retrouver dans ce que j'aime, dans ce qui me procure du bonheur. Aujourd'hui, j'enseigne les gens en ligne. Ça me plaît. J'aime ça, ça me plaît. Je vends des produits en ligne. Je fais du e-commerce. J'aime me retrouver dans cette situation-là. Ça me procure du bonheur. C'est la raison pour laquelle je peux travailler des heures et des heures sans voir le temps passer. Je peux être dans mon bureau de 8h jusqu'à 15h sans me lever et ça ne me dérange pas. Je peux finir mon travail à 23h. Des fois, je ferme mon bureau à 23h. Je rentre. Ça ne me dérange pas parce que j'aime ce que je fais. Je peux écouter les gens, je peux parler aux gens pendant des heures et des heures. Ça ne me dérange pas parce que j'aime ce que je fais. Vous comprenez? Donc ça m'a beaucoup aidé. Alors, la troisième des choses que j'ai appris à faire, c'est quoi? J'ai appris à servir ceux qui ont besoin de moi.
dans la vie, c'est pas tout le monde qui va vous reconnaître. C'est pas tout le monde qui va apprécier ce que vous offrez comme service. C'est pas tout le monde qui sera prêt à venir acheter chez vous. Alors moi, très vite, j'ai su que j'étais dirigée vers une catégorie de personnes. J'étais appelée pour une catégorie de personnes. J'ai identifié cette catégorie de personnes. J'ai identifié les besoins de ces personnes et je suis allée servir ces personnes-là. Comme ces personnes ont des besoins et que j'ai la solution pour leurs besoins, facilement ces personnes sont capables de me payer, sont capables de me donner de l'argent, sont capables de payer selon le prix que moi-même j'impose. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir de l'argent. Vous savez, quand on se lance par exemple dans le e-commerce, des fois, il y a des gens qui seront appelés à vendre, peut-être, je vais dire n'importe quoi, à vendre à des hommes. D'autres seront appelés à vendre à des femmes. D'autres peut-être aux deux sexes, voilà. Mais moi, j'ai rapidement su que si je devais faire fortune, si je devais gagner plus, il fallait que je cible les femmes. J'ai compris ça. Et je me suis concentrée pendant des années à comprendre les besoins des femmes et à savoir servir les femmes. Vous comprenez? Ensuite, la quatrième des choses que j'ai mis en application, c'est quoi? C'est que j'ai identifié mes mentors et que je suis allée servir ces mentors. Très important pour réussir dans la vie. On ne réussit pas par hasard. On ne devient pas riche aussi par hasard. Donc, j'ai identifié les mentors en fonction de là où je veux arriver. Parce qu'un mentor, c'est quelqu'un qui est déjà arrivé là où tu veux arriver ou bien qui est sur le chemin d'arriver là où tu veux arriver et qui peut te conduire. Donc, j'ai identifié minutieusement ses mentors et je suis allée à leurs pieds les servir sans avoir à leur demander leur permission, sans avoir à leur dire que voilà. Donc j'ai identifié les mentors et je suis allée les servir. J'ai des mentors dans plusieurs domaines de ma vie dans lesquels je veux réussir et je me fais toute humble, voilà, toute humble, disponible, à l'écoute pour suivre mes mentors et voilà, ça apporte du succès. La cinquième des choses que j'ai mis en application pour devenir riche rapidement, c'est que j'ai appris à m'exclure. À un moment donné de ma vie, j'ai été très critiquée, j'ai été très combattue par ce que j'aimais, ou bien voilà, je vous ai souvent parlé de ça dans les vidéos, et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a détruit en fait à un moment donné. Et je me suis dit, si je devais tenir compte de tout ce que les gens disent, si je devais tenir compte de comment est-ce que les gens me voient, je n'allais rien faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis exclue. À un moment, carrément, j'avais changé mon numéro de téléphone. J'étais inaccessible. J'avais bloqué mes Facebook. Je n'avais même pas de page Facebook parce qu'il fallait que je travaille sur moi. Il fallait que je travaille sur mon amour propre. Il fallait que je travaille sur ce que je veux offrir au monde. Il fallait que je travaille sur comment est-ce que je veux que les gens me voient. Parce qu'à ce moment-là, je subissais ce que les gens disaient, mais je n'imposais pas comment est-ce que je voulais que les gens me voient. Donc, ça passait par la reconstitution de son estime de soi, la reconstitution de son amour propre. Donc, j'ai travaillé tout ça et quand j'étais prête, c'est là où je me suis ouverte. Et la capacité de m'exclure m'a permis de pouvoir identifier ma zone, la zone où je voulais prospérer, d'identifier la montagne d'influence, là où je voulais être célébrée. Donc, et cette montagne d'influence, c'était quoi? C'était le e-commerce, c'était passé sur le digital. C'était très difficile parce que au début, quand les gens qui me connaissaient dans mon ancienne vie me voyaient, ils disaient, ah, c'est tout ce qu'elle peut faire, c'est tout ce qu'elle a trouvé à faire et tout. Donc, ils ne comprenaient pas là où j'étais en train d'aller. Ils ne comprenaient pas que, en fait, c'était un trésor que j'avais vu et j'avais besoin de polir cet or-là. J'avais besoin de vraiment mieux comprendre ce qui se passait. Donc, il fallait que je m'exclue pour mieux me présenter. Il fallait que je m'exclue pour faire des économies même. Oui, c'est très important. Il fallait que je m'exclue pour me concentrer sur mon futur et sur mon succès. La sixième des choses que j'ai appris à mettre sur pied, c'est quoi? C'est l'épargne. Quand j'ai commencé à avoir mes petits sous qui rentraient dans mon compte bancaire, j'ai compris qu'il fallait que j'épargne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée rencontrer mon banquier, le banquier où j'avais la banque, mon compte bancaire. Je lui ai posé des questions. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour
épargner de l'argent. Il m'a présenté des différents comptes bancaires. Alors, j'ai ouvert mes différents comptes bancaires où je mettais de l'argent. Je dis souvent aux femmes que vous devez avoir plusieurs comptes bancaires. Vous devez avoir un compte d'épargne pour vous. Voilà, c'est le compte où vous mettez de l'argent chaque mois. Vous devez fixer une certaine somme d'argent que vous mettez dans votre compte bancaire. Ça, c'est différent de la tontine. D'accord? Donc, si tu fais la tontine, c'est bien, mais à côté de la tontine, tu dois avoir ton compte d'épargne où tu mets de l'argent. Et c'est ce que j'appelle souvent aussi le compte sécurité. C'est ça qui fait en sorte que quand à un moment donné, tu as déjà une certaine somme d'argent, disons 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, même 50 000 euros, tu peux prendre cet argent, tu investis dans un vrai projet ferme. Tu vois, tu dois avoir un compte d'épargne pour chacun de tes enfants. Quand j'étais en Angleterre, j'avais été très surprise par les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ces femmes-là, lorsque leurs enfants vont en mariage, elles n'offrent pas les cadeaux comme les réfrigérateurs, des cuisinières à leurs enfants, pas du tout. Les cadeaux qu'elles offrent à leurs enfants, c'est des appartements. Tout payé. Ce n'est pas un appartement où l'enfant doit encore payer les traites à la banque, pas du tout. Elles offrent des appartements tout payés. Elles offrent des terrains, des hectares de terrain tout payés à l'enfant. Du coup, quand c'est une fille, mais la fille, elle va dans le mariage avec quand même quelque chose et son mari la respecte. Quand c'est un homme, il va dans le mariage avec quelque chose, quoi. Vous voyez, c'est très important. Ça aide l'enfant à être sûr de lui. Ça aide l'enfant à se lancer plus haut, en fait. Et je me rappelle, par exemple, quand je suis arrivée en Angleterre, dans ma salle de classe, il y avait justement un jeune garçon qui nous disait, écoutez, venez, je vais vous amener quelque part. Et il nous a amené, il nous a montré son appartement, il nous a dit, voilà, chaque mois, j'ai de l'argent qui vient de ces appartements, ce sont mes locataires qui me payent. Et je lui ai demandé, mais quel est le business que tu fais qui te rapporte autant d'argent jusqu'à ce qu'à ton âge, tu as déjà des appartements qui te rapportent de l'argent? Il m'a dit non, c'est pas lui qui a acheté les appartements, ce sont ses parents qui lui ont donné les appartements. J'ai dit, waouh, ça ce sont des parents visionnaires. Donc ils ont vu assez loin qu'ils devaient penser à offrir ce genre de cadeaux à leurs enfants. Et c'est ce que je souhaite pour vous, c'est ce que je souhaite aussi pour moi, bien entendu, pour moi, pour mes enfants. Donc, quand vous grandissez, quand vous évoluez dans la vie, ayez ce genre de choses. Et après, les gens vont se demander, mais comment est-ce que vous avez fait? Non, vous avez été sage. Vous avez eu des comptes bancaires d'épargne qui vous ont permis de pouvoir frapper fort à un moment donné dans la vie. L'autre chose que j'ai aussi appris qui m'a permis de devenir rapidement riche, c'est quoi? C'est l'investissement. J'ai appris que l'épargne, c'est bon, ça te permet d'avoir un fonds, mais c'est l'investissement qui te rend riche. J'ai investi, je vais vous citer les endroits où j'ai investi. J'ai investi dans mon business. Alors, j'ai commencé en faisant des formations, en faisant des vidéos avec des vieux téléphones. La vidéo était floue, le son était des fois inaudible, même il y avait trop de bruit derrière. Donc, j'ai investi dans mon matériel. Je me rappelle une fois, mon mari et moi, nous avons pris une grosse somme d'argent. Nous sommes allés dans des grandes boutiques. On a acheté le matériel de qualité. Ça nous a coûté comme 5 000 à 6 000 dollars. Et après cet investissement, c'est là où ma chaîne YouTube est montée. C'est là où j'ai commencé à faire des formations qui coûtaient très cher parce que, voilà, l'image que je projetais était différente. Donc, cet investissement a propulsé mon entreprise. Cet investissement m'a permis de quitter des revenus de 3 000 livres à des revenus de plus de 10 000 livres. Et aujourd'hui, j'aspire à des revenus de 100 000 livres le mois. Je vous ai dit dès le départ que je n'ai pas de problème à prononcer les chiffres. Donc, je suis très à l'aise à prononcer les chiffres parce que j'ai été formatée dans le système anglo-saxon. Donc, j'ai investi justement dans mon business. J'ai investi dans les recrutements. Voilà, à recruter des personnes qui sont plus intelligentes que moi, qui coûtent cher, voilà, pour que mon business puisse évoluer. Dernièrement, j'ai une personne qui m'a dit, Matt, Karine, en Afrique, on paye les salaires moins chers. Je lui ai dit non. Si tu payes des salaires de cacahuètes
aux gens, tu auras des singes qui travaillent, qui te... En fait, tu auras des résultats de singes, parce qu'il y en a qui vont dire que tu as dit singe, non. Tu auras des résultats de singes et tu ne peux rien faire avec ça. Donc, tu dois bien payer les gens à la dimension de leur capacité, à la dimension de ce qu'ils rapportent dans ton business. Donc, moi, je paye bien les gens. J'ai des gens dans mes entreprises qui sont payés à 700 livres, vivant en Afrique. 700 livres, c'est quoi? C'est près de 500 000 francs CFA chaque mois que Dieu a créé. Vous comprenez? Donc, ce sont des investissements que je fais et c'est ça qui me permet aussi d'aller loin. J'ai investi dans d'autres business, voilà, qui me rapportent de l'argent. Je ne suis pas à l'aise à partager ça ici sur Internet, mais sachez que j'ai plusieurs entreprises que j'ai créées à côté, pas des investissements. Et il faut savoir que ce sont des entreprises qui me rapportent de l'argent chaque mois. Ce sont des entreprises qui peuvent me rapporter entre 200 livres à 2000 livres chaque mois que Dieu a créé. Et ça me permet justement d'amasser quand même une certaine somme d'argent et d'aller encore plus loin que ça. J'ai appris à investir. Il faut savoir que investir n'est pas facile lorsqu'on a peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre de l'argent. Mais moi, je dis toujours en affaires que on dit dans le cas au quartier que l'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. C'est la mentalité que j'ai appris à avoir pour réussir en affaires. Je n'ai pas peur de perdre. Je n'ai pas peur de gagner aussi. Vous comprenez? Je n'ai pas peur de perdre. Je n'ai pas peur de gagner. Pour pouvoir gagner, il faut risquer. Donc, pour pouvoir gagner, il faut accepter que tu peux perdre un jour. Donc, c'est la mentalité que j'ai et ça me permet de vite avancer. Il y a des gens qui vont prendre 5 ans pour avoir les résultats que j'ai en 2 semaines. Oui. Pourquoi? Parce que je paye le prix. Je paye le prix. J'investis dans des formations. J'investis dans des coachings. J'investis dans des conférences. Vous comprenez? Et ça me permet de vite évoluer. Autre chose que j'ai fait aussi pour pouvoir être riche rapidement, c'est que j'aide beaucoup les nécessiteux. Et moi, c'est une loi que j'ai appris des Américains. Les Américains que vous voyez, les stars américaines, les hommes riches américains, ils retirent toujours 10% de leurs revenus pour aider les charités, les nécessiteux, les associations, les orphelinats. Donc, c'est quelque chose, c'est une loi que j'ai mise sur pied dans mon entreprise. Je retire 10% pour aider les orphelinats. Tous les pays dans lesquels je suis représentée, je localise toujours un orphelinat où je vais aider les orphelins. J'aide ceux qui viennent me voir pour me demander des aides. Quand ça rentre dans mes 10%, bien entendu, ça ne veut pas dire que je suis devenue la banque centrale, voilà, qui aide monsieur et madame tout le monde. Non, pas du tout. Ça dépend de mon budget. Si ça rentre dans mon budget, je vais aider la personne. Donc, j'ai développé cette compétence-là. Et ça fait en sorte que ce que je dépense pour aider les gens, ça me revient toujours au centuple. Donc, chaque mois, je vais voir l'accélération dans mon business, je veux voir l'élévation, je veux avoir de nouvelles idées, je veux avoir des bonnes personnes. Les gens me demandent souvent, quel est ton secret pour bien recruter? Eh bien, c'est ça mon secret. Tu sais, il faut d'abord travailler ces choses-là. Voilà, travailler le domaine invisible pour que ça puisse influencer le domaine visible. La 9e des choses que j'ai appris aussi à faire pour avoir beaucoup d'argent, c'est que je n'ai pas beaucoup d'amis. Je peux compter du bout de doigt mes amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai des partenaires de mission. Ça veut dire quoi? Selon une mission que j'ai, si quelqu'un peut venir et m'aider à accomplir cette mission, eh bien, cette personne sera proche de moi. Je serai proche de cette personne. Mais les amis shopping, amis de commérage, amis pour juste aller manger ou bien pour faire la fête. Non, je n'ai pas ce genre d'amis. Ma vie doit avoir tout un sens. Chaque seconde de ma vie est comptée et je ne perds pas mon temps avec les amis. Je ne perds pas mon temps avec les copines. Donc, je fais très attention à ce niveau. Et ça m'a permis d'épargner beaucoup d'argent, de garder beaucoup d'argent. Ça m'a appris à savoir gérer mon temps parce que le temps, c'est plus que de l'argent. Le temps coûte plus cher que l'or. Parce que le temps qui est passé, tu ne vas jamais le récupérer. Tu peux perdre l'or aujourd'hui, tu peux perdre ton or aujourd'hui et ensuite tu rachètes. Ensuite, tu rachètes encore de l'or qui a même plus de valeur. Mais le temps qui est passé, tu ne l'auras jamais. Et les amis, ça fait perdre du temps. D'accord? Les amis qui ne t'aident pas à accomplir une mission, ça te fait perdre du temps tout simplement.
La dixième chose que j'ai appris aussi à faire pour devenir riche rapidement, c'est que j'ai appris à m'entourer de très bonnes personnes. Alors, dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont plus intelligentes que moi. C'est très important, ça me stimule, ça me permet de voir ce que je ne voyais pas. Donc, dans mes équipes aussi, j'ai des personnes qui sont plus intelligentes que moi, qui ont plus d'expérience que moi, qui ont plus de sagesse que moi. Voilà. Dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont très ambitieuses aussi. C'est très important parce que les personnes ambitieuses te challenge. Les personnes ambitieuses t'amènent à rêver. Les personnes ambitieuses t'amènent à sortir de ta zone de confort. Les personnes ambitieuses t'amènent à rêver grand, tout simplement. Donc, j'ai des personnes ambitieuses qui travaillent avec moi. J'ai des personnes franches aussi. C'est aussi ça, bien s'entourer. Alors, c'est très important. Je mets un point d'honneur sur les personnes franches. Pourquoi? Parce que en tant que femme d'affaires ou homme d'affaires, on peut souvent aller dans des exagérations, mal faire certaines choses, ne pas voir ce qu'on fait mal. Et il faut une personne franche pour te dire que ici, tu as maltraité cet employé. Ici, tu as pris une mauvaise décision qui va te faire couler. Ici, tu as mal parlé à cette personne et ce n'est pas bien. Ici, tu dois corriger telle chose. Donc, je valorise énormément lorsque les gens sont franches avec moi. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une vie, et surtout quelqu'un comme moi qui est sur les réseaux, des fois quand je rencontre des gens, ces personnes commencent à pleurer, ces personnes sont tellement émotives de me voir. Elles disent, ah, quand on te voit à la télé, et maintenant on te voit, on peut te toucher, donc c'est réel et tout. Et du coup, ça provoque beaucoup d'émotions en eux et des fois, ils se retrouvent même à pleurer. Donc, quand tu vois ce genre de choses, ça peut toucher, ça peut te toucher, ça peut te faire avoir une grosse tête en fait. Mais il te faut une personne franche qui va te dire, ah, redescends sur terre, ah, fais attention, ah, fais ceci. Donc, moi, pour réussir dans la vie, j'ai appris à donner une valeur, une place privilégiée à ce genre de personnes. Toutes les personnes qui sont autour de moi, qui sont franches avec moi. Mais après, il faut voir cette franchise, n'est-ce pas? Il ne faut pas aussi que quelqu'un utilise la franchise pour te parler n'importe comment ou bien pour tout le temps te critiquer. Voilà, il y a une limite à ne pas franchir, pour tout le temps te critiquer. Donc, je reconnais les personnes qui sont de bonne foi, qui sont franches avec moi, qui me respectent et je leur donne une place privilégiée à côté de moi. Je m'entoure des bonnes personnes pour pouvoir aller vite parce que l'argent, c'est pas juste vendre un produit, c'est pas juste vendre un service, c'est tout ce qui tourne autour et il faut prendre tout ça en considération pour pouvoir aller très loin dans la vie. La onzième chose que j'ai appris pour devenir riche rapidement, c'est quoi? C'est de ne jamais mal parler du pays dans lequel on vit et du pays dans lequel on fait ses investissements. Vous savez, et ça, je m'adresse beaucoup à ceux qui sont dans les pays étrangers. Les gens aiment souvent critiquer les pays où ils sont. Oh, le pays est raciste. En tant que noir, je ne peux pas réussir. On ne respecte pas les noirs ici. Tout ça, ça ne vous sert à rien. Ou alors, le président doit partir. Le président est mauvais. Tout ça, ça ne vous sert à rien. Si vous voulez être riche dans un pays, vous devez apprendre à donner des paroles positives sur ce pays-là. Vous devez apprendre à bien voir ce pays-là pour être riche dans ce pays. Tous les pays dans lesquels je suis, j'ai appris à les encenser, j'ai appris à les gaver d'éloges, j'ai appris à les voir du côté positif et non du côté négatif. C'est la raison pour laquelle je me fais beaucoup d'argent dans les pays étrangers. Je me fais beaucoup d'argent dans mon propre pays même. Je me fais beaucoup d'argent dans les pays où j'ai mis mes investissements parce que je parle en bien de ces pays-là. La douzième des choses que j'ai aussi appris pour devenir riche rapidement, c'est la lecture. J'aime beaucoup lire. Bon, après, je ne lis pas comme tout le monde, hein, qui peut-être vous allez prendre un livre, lire, non. J'aime beaucoup les livres audio. Donc, je suis abonnée sur Amazon Audible. J'écoute beaucoup les livres audio. Ou alors, à mes temps perdus, je peux prendre un livre. Voilà, je le lis rapidement et je tire la quintessence de ce que j'ai lu dans le livre. Et une méthode que j'ai appliquée pour rapidement retenir ce que je lis des livres, c'est ce que je partage avec d'autres personnes. Donc ici, je vais vous donner des livres qui m'ont vraiment impacté. Le premier livre, c'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, père pauvre, qui m'a transformé en fait, qui m'a appris le jeu des riches dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai appliqué tout ce qu'il a dit et ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Le deuxième livre, c'est L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone m'a donné le mindset à avoir et m'a appris à me concentrer sur ce qui est important pour réussir.
Le troisième livre, c'est le livre La chèvre de ma mère. Ça m'a appris comment épargner de l'argent, comment retarder certains plaisirs pour les avoir plus tard. Ça m'a appris vraiment comment commencer dans l'entrepreneuriat dans un environnement africain. Le quatrième livre que je peux vous recommander ici, c'est un livre qui est en anglais. Ce n'est pas disponible en français malheureusement. Ça s'appelle Money and the Law of Attraction. Money and the Law of Attraction. J'ai lu ce livre en 2018. Je ne vais jamais oublier cette période. J'ai lu ce livre en 2018, dans la période de septembre à décembre 2018. Je l'ai lu, relu et relu plusieurs fois. J'ai lu le livre peut-être 10 fois à cette période-là. Parce qu'en 2018, j'étais dans une entreprise Mériquet et je devais devenir directrice dans Mériquet. Et pour devenir directrice dans Mériquet, il fallait aller en DIQ. Et pour aller en DIQ, il fallait recruter 12 personnes, faire un chiffre de 12 000 livres en 2 mois précisément. Et ensuite, pour devenir directrice, il fallait recruter encore plus de personnes et faire un chiffre de 28 000 livres. Rappelez-vous, à l'époque, je passais vraiment des moments très difficiles. Et il me fallait un certain mindset pour savoir que je peux attirer ça à moi. Je peux penser et l'avoir. Il me fallait un certain mindset pour savoir que l'argent dépend de ce que tu as dans ta tête. L'argent que tu as dans ton compte bancaire dépend de ce que tu as dans ta tête, dépend de ce que tu acceptes pour vrai et pour faux, dépend des actions que tu mets. Donc, c'était waouh quoi. Et à cette même année, en décembre, je devais me marier. Et en septembre, quand j'ai commencé à lire le livre, je n'étais pas sûre que j'allais me marier parce qu'il y avait tellement de problèmes. Donc, il me fallait lire ce livre pour être focalisée, pour déclarer. Waouh! Donc, en 2018, finalement, je suis devenue directrice Mériquet. J'ai eu une équipe de plus de 50 personnes actives et waouh! C'était un exploit. Les autorités de cette entreprise en Angleterre m'ont reçue pour me féliciter. Et waouh, beaucoup de femmes africaines m'ont dit, tu sais Matt, Karine, c'est rare de voir ça en Angleterre venant d'une femme africaine. Même les Anglaises n'arrivent pas à faire ce genre d'exploit en peu de temps. Mais toi, tu as réussi à le faire. Et en cette même année, je me suis mariée. Vous voyez? Donc, c'est un livre que je ne vais jamais oublier parce que ça a eu un fort impact dans ma vie. Et je vous recommande ce livre. Le dernier point. On arrive au dernier point. Et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, bravo à vous. Le dernier point, c'est quoi? Qui est vraiment le socle de ma richesse? J'ai appris à respecter et à écouter mon mari. Très important. J'ai commencé à faire les affaires avant de me marier. Et quand je me suis mariée, j'ai un mentor qui m'a donné 2 conseils. Je crois que normalement, ça devrait même faire une autre vidéo, mais on va finir ici. Elle m'a donné 2 conseils. Elle m'a dit, dans le mariage, la femme, c'est le cou et l'homme, c'est la tête. Ça veut dire que si le cou donne une direction à la tête va prendre cette direction. Deuxième des choses, la prospérité d'une femme se trouve au talon de son mari. La prospérité d'une femme se trouve au talent de son mari. Je sais que les féministes qui vont écouter cette vidéo diront tout ce qu'elles vont dire. Mais en ce qui me concerne, c'est ça qui m'a permis d'atteindre le niveau où je suis aujourd'hui. C'est ça qui m'a permis de prospérer, mais alors à une dimension pas possible. Quand je me suis mariée, en moins d'un an, mon chiffre d'affaires s'est multiplié au-delà de 20. Je dis plus que fois 20. Plus que fois 20, mon chiffre s'est multiplié. C'est quand je me suis mariée que j'ai commencé à avoir une équipe de plusieurs personnes. C'est quand je me suis mariée que j'ai appris que j'ai eu des systèmes mis sur pied. Pourquoi? Parce que j'ai appris à respecter et à écouter mon mari. Mon mari, c'est quelqu'un, lorsque il va me dire quelque chose, s'il me dit « on fait comme ça », il a pris la peine de réfléchir et il me dit « on fait comme ça ». Même si en l'instant, je dis « ah non, je ne vois pas ça, ça ne m'arrange pas », lorsque j'applique, on finit par se retrouver. Lorsque je n'applique pas à contrario, je reviens lui dire « ah non, ça n'a pas marché ». Ça, c'est pour moi.
Pour vous, je ne sais pas, mais ça, c'est pour moi. Donc, j'ai identifié ces choses-là et je reste fidèle à ça. Je sais qu'aussi longtemps que j'appliquerai ça, aussi longtemps, je continuerai à briller. Pour ceux qui sont proches de moi, vous voyez comment mon mari travaille. Vous voyez quel style, quelle équipe nous formons ensemble. Vous voyez comment est-ce que nous sommes très liés dans notre travail, dans notre vie de famille. Vous voyez comment est-ce que nous fonctionnons ensemble. Donc, voilà ce que je voulais partager. C'est ça qui m'a permis d'être riche. C'est ça qui m'a permis d'accomplir ce que j'ai accompli aujourd'hui. Et comme je dis souvent, je ne suis pas encore arrivée là où je dois arriver. Je ne suis pas encore arrivée à la dimension que je veux arriver. Mais ce que je sais, c'est que je ne suis plus là où j'étais hier. Je ne suis plus là où j'ai commencé et je suis en train d'évoluer. Je vous remercie de me faire confiance, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous remercie de faire partie de ce parcours avec moi, de faire partie de cette aventure, de cette expérience fantastique avec moi. Restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et je sais que dans les années qui suivent, on aura encore beaucoup à apprendre, on aura encore beaucoup atteint des niveaux extraordinaires. Pour ceux qui n'ont pas encore pris le livre « Proclame sur ton business », prenez le livre, je vous assure, les témoignages sont juste extraordinaires. Je vous assure que nous sommes en train d'aller quelque part et restons fidèles à notre mission, restons fidèles à notre vision. Au revoir et à une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire sous la description de la vidéo, les amis.